Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc juste avant de vous proposer la revue ainsi que le retour d'utilisateur sur cette workhorse de type TS11, je tenais à préciser toutefois que je n'avais pas de partenariat avec workhorse, ce qui me permet de vous faire une revue complète et objective sur ce modèle. Donc la workhorse TS11 s'inscrit un peu dans le même contexte que d'autres lampes d'eau de d'autres marques, comme notamment la Sofirn IF19, la Srunight Mini Catapult ou encore la Manker MC13, qui sont des lampes qui permettent d'envoyer le faisceau assez loin, et tout cela dans une relative compacité. C'est ce qui est le cas donc pour cette petite TS11. On le remarquera notamment avec la lentille, qui permet donc justement de concentrer le faisceau de manière à vous envoyer la lumière de manière concentrée assez loin. Alors les données constructeurs pour cette lampe proposent donc d'envoyer le faisceau jusqu'à 616 mètres. Il est vrai que vous le verrez dans les tests en milieu naturel que effectivement la lumière concentrée permet d'aller assez loin, de manière également à avoir un faisceau quand même très propre, on va dire. Voilà. Ceci étant, la workhorse TS11 n'est pas non plus complètement portée sur ce sujet, donc d'envoyer de la lumière classique. Elle a aussi la particularité de proposer des lumières, on va dire, accessoires. Et si je vous fais la revue de cette lampe aujourd'hui, c'est justement pour pouvoir vous présenter le micro-logiciel qui est embarqué donc dans cette TS11, puisque c'est le modèle de type Enduril 2.0. Et la particularité de ce micro-logiciel, c'est qu'il permet d'avoir donc différents systèmes d'éclairage secondaires, donc en dehors du fait d'avoir donc l'éclairage principal qui est ici et qui est donc tout à fait réglable. Je vais d'abord vous donner les caractéristiques de la lampe. Et puis ensuite, on va revenir bien sûr sur le micro-logiciel embarqué en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. Concernant donc les durées d'éclairage ainsi que les puissances, bien sûr, c'est mentionné sur la petite boîte qui est quand même de relativement bonne qualité, puisqu'en fait c'est une boîte qui est quand même un packaging qui est bien fait pour ce type de lampe, notamment concernant donc le tarif, mais on en parlera justement en fin de vidéo. Donc là, toutes les caractéristiques. Ce qui est intéressant également, c'est que les puissances sont données à la fois en lumen, mais également en candela, ce qui donne des indications quand même relativement intéressantes par rapport à d'autres constructeurs. Et puis on a bien sûr les durées en fonction des puissances. Donc moi, j'ai pas pu vérifier bien sûr les puissances et les durées concernant donc on va dire jusqu'à ici là, c'est-à-dire jusqu'à 45 lumens. J'ai testé par contre les durées d'utilisation de 110 à 2000 lumens, et effectivement on est parfaitement dans ce qui est proposé à quelque chose près par workhorse. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ça. Donc dans la boîte, on y trouvera bien sûr la notice avec le micro logiciel Enduril 2.0 qui s'affiche à l'écran et qui, vous le remarquerez, est loin d'être simple à maîtriser. C'est quand même relativement complexe. Et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de faire cette vidéo, de manière à vous présenter les différentes possibilités. En tout cas, pas explorer en entier, bien sûr, le micro-logiciel, puisque c'est beaucoup trop compliqué. Il y a beaucoup trop de choses à proposer. Et si je devais faire une vidéo sur ce point-là, ce serait une vidéo qui serait extrêmement longue. Donc je vais quand même essayer d'explorer pour vous donner les bases, en fait, de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver si vous souhaitez acquérir ce modèle en particulier, mais d'autres qui sont munis bien sûr de ce micro logiciel, puisqu'il y a d'autres lampes chez workhorse qui possèdent également le logiciel en question. Donc dans la boîte, on y retrouvera bien la notice, comme je l'ai dit, et puis également un petit sachet avec un cordon pour pouvoir associer la lampe ici à ce niveau-là, de manière à pouvoir la suspendre éventuellement. Et puis un cordon d'alimentation de type USB 2 standard maintenant, qui se loge ici pour pouvoir recharger la batterie. Et on peut le voir d'ailleurs, le petit joint qui permet de fermer la trappe est quand même assez épais et bien conçu pour être positionné dans la lampe. D'ailleurs, la lampe, on va regarder un petit peu au niveau de la définition et on remarquera que c'est quand même bien défini. C'est une lampe qui est bien faite au niveau de sa structure générale.
Il n'y a pas d'arête particulière, c'est quand même très agréable de la manipuler. Le coloris noir qui est ici présenté est relativement, alors c'est pas brillant ni mat, c'est on va dire satiné, donc c'est plutôt plutôt bien fait. Alors la lentille, c'est du polycarbonate. Donc les petites LED qu'on voit là sont allumées au mini, donc on n'est même pas à un lumen, on est en dessous des 1 lumen, c'est ce qui fait que on voit ces couleurs un petit peu là violettes. Alors il faut savoir que quand on obtient la lampe directement sortie de boîte, c'est comme si ça qu'elle est configurée. Alors, je vais vous expliquer bien sûr après comment faire pour la configurer différemment. Au niveau de l'énergie, c'est assez simple. On a un ACU de type 18350 qui est à l'intérieur avec 1100 mAh. Ça se recharge très très bien avec ici le bouton supérieur du pôle positif qui n'est pas à fleur mais qui dépasse. Au niveau de l'intégration, ça se passe sans problème. On remarquera aussi la définition ici au niveau de la tête. Il n'y a aucun souci, c'est très très propre. Il n'y a pas de chose qui est mal montée, c'est quand même très très bien conçu. Au niveau du filetage, aucun souci, ça se visse tout seul, il n'y a pas de jeu d'ailleurs hein, quand on visse le corps de la lampe, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau de la définition de l'interrupteur, on remarquera que quand même c'est bien fait, c'est bien défini. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement maintenant que je vous ai proposé la lampe. Alors on y reviendra tout à l'heure dans le retour d'utilisateur. Absence de clip sur la lampe malgré qu'elle se positionne quand même sur une lampe de type EDC, et tout comme l'absence de pochette pour pouvoir la transporter. Mais on y reviendra, comme je l'ai dit, en retour d'utilisateur. Donc quand on reçoit la lampe, elle est donc configurée telle quelle, c'est-à-dire que quand on met la batterie à l'intérieur de la lampe, eh bien elle s'allume de cette manière-là. Alors on a bien sûr accès directement aux différents modes d'éclairage. Alors pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, c'est assez simple. Hein. On reste le doigt appuyé, on monte progressivement, on rappuie, on descend progressivement. Et si on fait un double clic, quel que soit le mode dans lequel on se trouve, on va automatiquement tomber dans le mode boost. Voilà, et on retombe bien sûr sur le dernier mode choisi. Si on éteint la lampe et qu'on attend un peu, on rappuie, on retombe sur le dernier mode. Alors, dans ce mode-là, on a la possibilité, bien sûr, lorsqu'elle est éteinte, de pouvoir actionner le mode Moonlight. Donc, il suffit de rester le doigt appuyé et on tombe directement dessus. Donc, on est sur le minimum du minimum, à savoir 1 lumen. Donc, ça suffit pour s'éclairer, on va dire, en proximité immédiate. Pour lire, pourquoi pas, enfin bon, vraiment pour avoir le minimum du minimum. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour l'utilisation du micro-logiciel, puisque la particularité, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut avoir accès à différents systèmes d'éclairage avec différentes couleurs sur cette lampe-là. Alors, comme j'en avais déjà parlé avec la petite TS10 et que je n'étais pas revenu, on va dire en détail, sur le micro-logiciel Enduril 2.0, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, mais en restant quand même sur les bases, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce micro-logiciel. Donc je vous laisserai le soin, si vous le souhaitez, d'aller explorer par la suite. Alors je vais vous laisser bien sûr en bas dans la description un lien pour que vous puissiez avoir accès à la notice d'utilisation du micro-logiciel en question, de manière à ce que vous puissiez voir. Alors c'est relativement simple à comprendre, même si pour certains ce sera une usine à gaz, ce système d'éclairage, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même énormément de choses, c'est assez complexe. Mais dans les bases, on va dire, d'éclairage, et notamment secondaire, je vais vous expliquer comment faire pour y accéder. Puisqu'il n'y a pas de véritable notice en français, hein, c'est uniquement en anglais, et que, à ma connaissance, sur la présence sur YouTube, il n'y a pas eu d'exposition de ce type de micro-logiciel en français. Donc je vais vous expliquer quand même comment ça marche. Alors quand on reçoit la lampe comme ceci, pour accéder donc au système d'éclairage secondaire, il va falloir appuyer 10 fois sur l'interrupteur et rester la 10e fois sur l'interrupteur, donc enclenché. Donc comme ceci, on reste et on vient de voir qu'il y avait un flash qui avait jailli donc de la lampe. Ça c'est pour expliquer qu'on a bien enclenché donc le système d'éclairage secondaire en question.
Donc pas de changement quand on regarde, puisque les LED restent allumées au strict minimum. Maintenant, comment faire pour y accéder? Il va falloir appuyer 7 fois successivement sur l'interrupteur. Et là, la lampe se met à valider, de manière à avoir donc accès au système secondaire d'éclairage. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour y accéder. Donc ensuite, dans le mode en question, ou dans chaque mode de différentes couleurs sur lesquelles on aura décidé de sélectionner, il suffira de réappuyer 7 fois de manière consécutive pour pouvoir changer le mode en question. Voilà. Donc là, par exemple, on se retrouve avec le mode qui se met à éclairer avec un système de flash. Voilà. Ensuite, on peut réappuyer dessus 7 fois. La lampe se met à clignoter et là, tout est éteint. Il n'y a plus du tout même d'éclairage secondaire en mode ultra faible. La lampe est complètement désactivée au niveau du mode en question. Donc si on appuie, on retombe sur le dernier mode sélectionné, on désenclenche, mais on ne retombe pas sur les modes précédents secondaires au niveau de l'éclairage. Alors pour y accéder, il suffit de réappuyer cette fois dessus. La lampe se remet à flasher et donc on retombe sur le mode initial au tout départ. Voilà donc pour ce système-là. Maintenant, si on veut changer au niveau de l'éclairage, c'est-à-dire qu'on souhaite avoir d'autres couleurs, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs couleurs, on va refaire des impulsions cette fois, mais cette fois-ci, on va rester appuyé de manière permanente sur l'interrupteur pour pouvoir avoir accès donc aux différentes couleurs. Alors pour ce faire, c'est comme ceci qu'il faut procéder. On reste le doigt appuyé et voilà, la lampe se met à changer de couleur en question. Voilà. Une fois qu'on a décidé d'obtenir le mode qui nous intéressait, par exemple, on va tomber sur le jaune peut-être, ou alors une autre couleur, ça n'a pas. Voilà, on va tomber sur celui-là, on lâche et on retombe dessus. Là, on est sur le minimum. Et après, si on veut obtenir plus de puissance, il suffit de rappuyer cette fois. Voilà, la lampe se valide et on retombe sur un éclairage supérieur. Pour changer le mode en question, dans ce mode-là, on rappuie cette fois dessus, mais en restant le doigt appuyé dessus. Voilà, les modes défilent successivement. On obtient ce qu'on veut. Voilà, rouge, jaune, vert, bleu pâle, bleu foncé, violet, multicouleur, mode flash clignotant, etc. Et le cycle recommence. Dès qu'on a sélectionné la couleur qu'on voulait, on lâche le doigt de l'interrupteur et on retombe sur la couleur en question. On éteint, on retombe sur l'éclairage avec le dernier mode, bien sûr, enregistré en mémoire dans la lampe. On rappuie dessus et on retombe sur ce type d'éclairage. Du coup, quand on est là-dessus, la lampe reste allumée de manière permanente. Elle ne va pas s'éteindre toute seule, en fait. Donc pour l'éteindre, il y a une option facile, de manière à ce que ce soit le plus réalisable possible, le plus facile possible. Alors pour ce faire, il suffit de dévisser d'un quart de tour l'arrière, et là, la lampe est complètement inopérante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois qu'on veut réactiver la lampe en question, on réenclenche, et là, elle retombe sur le dernier mode choisi, et on peut l'allumer. Voilà, redescendre, et ainsi de suite, pour pouvoir sélectionner la lumière principale. L'autre option qui est possible également, c'est de verrouiller la lampe, c'est-à-dire qu'on va conserver, au lieu que ce soit en mode fixe, ça va être en mode clignotant et en défilement, et on ne pourra plus accéder à l'éclairage principal que de manière temporaire et avec le moonlight. Alors pour ce faire, il suffit d'appuyer 4 fois dessus, voilà, et la lampe va se mettre à clignoter et à faire défiler les différents modes d'éclairage, voilà, comme ceci. Et là, donc en fait, la lampe est verrouillée. Donc elle fait défiler aléatoirement les différents coloris. Par contre, si on appuie pour l'éclairage, il n'y a rien qui se passe, hormis le moonlight temporaire. Donc si on veut le moonlight, il faudra avec les 1 lumens, c'est vraiment le minimum, le strict minimum, il faudra rester le doigt appuyé dessus pour pouvoir y accéder. Voilà. Et lorsqu'on veut déverrouiller l'ensemble, il suffit de réappuyer 4 fois de suite. Voilà. Et la lampe sera allumée. On l'éteint, elle retombe sur le dernier mode choisi en question. Voilà pour les bases d'accès aux LED supplémentaires avec les éclairages donc qui peuvent varier.
Donc je le rappelle, quand on veut changer le mode au lieu d'être fixe par exemple, on peut le réappuyer cette fois de suite. Voilà, la lampe se met à clignoter et là on va tomber sur un mode flash dans la couleur sélectionnée. Voilà. Donc à chaque fois, ce sera ce principe-là. Si on veut désactiver, on réappuie cette fois. Voilà, la lampe flash une fois et là il n'y a plus rien. Voilà, au niveau des bases du système d'éclairage en question. Donc si on appuie, on retombe sur le dernier mode sélectionné. Et puis on va pouvoir faire monter et redescendre le mode en question. On éteint, on rallume, on retombe dans le dernier mode. Et si par exemple on souhaite verrouiller de manière sécurisée complète, il suffit de faire un quart de tour, on appuie, là il n'y a plus rien qui se passe. Voilà, on réenclenche, la lampe clignote, on réappuie. Voilà. Elle retombe dans le dernier mode d'éclairage sans avoir le mode d'éclairage secondaire. Voilà donc un petit peu pour les modes, on va dire, secondaires que je voulais vous présenter, puisque c'est vrai que j'étais pas revenu là-dessus sur la TS10, même sur la TS6, sur la TS10, les modes étaient beaucoup plus réduits, puisqu'en fait, il y avait que deux modes, hein, soit le mode d'éclairage classique, c'est-à-dire éclairage voilà, blanc, sur lequel on pouvait sélectionner par palier. Et si on voulait réaccéder, par exemple, là elle est complètement éteinte, il fallait réappuyer cette fois de suite. Voilà. Là on tombait sur les petites LED, sur le premier, petite LED orange. On réappuyait cette fois de suite. Ah, je l'ai mal fait. Voilà. Et là on pouvait réactiver le mode permanent. Ou alors le mode clignotant. Et même principe, si on souhaite garder ce mode-là, donc automatiquement elle est en veille, on va dire, mais elle reste quand même à clignoter. On pouvait très bien accéder à l'éclairage principal. Par contre, si on souhaite la verrouiller, il suffisait de desserrer la tête, et voilà, elle se mettait à flasher, et il n'y avait que le mode temporaire qui pouvait être activé. Voilà, on réenclenche et on retombe dessus. Pareil, si on veut faire temporairement, on veut supprimer l'éclairage secondaire. Hop, on réappuie cette fois de suite. Et là, il n'y a plus rien qui se passe, hormis l'éclairage, quand on réappuie sur l'interrupteur. Voilà, mais c'était plus réduit. Du coup, sur cette lampe-là, c'est le même principe. Voilà, mais avec des LED, bien sûr, plus compliquées. Maintenant, comment faire pour réinitialiser la lampe? C'est-à-dire que si on veut repartir sur la configuration d'usine, donc faire un reset. Puisque là on est sur ce mode là, si on appuie éteinte, on réappuie cette fois de suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, la lampe se met à flasher, on retombe sur ce mode là. Maintenant si on veut réinitialiser, parce qu'on s'est un petit peu perdu, on ne sait plus trop comment faire, je vais vous montrer la procédure. Donc il va falloir faire 13 impulsions, et en restant le doigt appuyé sur la dernière impulsion en question. Voilà, on reste le doigt appuyé, la lampe se met à flasher bizarrement, elle s'éteint, on retombe dans la configuration d'origine. Voilà. Donc là, on est vraiment au strict minimum d'éclairage, on le voit bien. Et donc après, on peut accéder à l'éclairage classique. Donc ça, ça consomme rien, hein. Il faut que vous soyez rassuré, par exemple, au niveau énergie. Là, il faut 48 jours quand elle est en pleine charge, il faut 48 jours quand c'est dans ce mode de configuration avec les LED micro-éclairés, là. 48 jours avant que ce soit qu'il n'y ait plus de batterie. Donc voilà. De toute façon, il suffit de tourner d'un quart de tour de manière à tout enlever. Et là, c'est parfaitement sécurisé, y compris sur l'interrupteur. Donc j'espère que ça, ça vous permettra, si vous souhaitez d'obtenir cette lampe-là, d'avoir un peu plus de facilité quant aux accès aux différents éclairages. Maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Alors, comme je l'ai dit, c'est une concurrente directe des autres modèles, d'autres marques que l'on peut voir, comme je l'ai mentionné, tout à l'heure, en sachant qu'il y a un nouveau modèle qui s'appelle la TS12, qui est quasiment la même chose que celle-ci, à l'exception qu'elle a une tête crénelée un peu plus... plutôt que d'avoir un système lisse, elle a une petite tête crénelée ici, une petite couronne. La dimension est plus réduite,
au niveau du volume de la tête. Par contre, elle est plus longue puisqu'elle utilise un autre AQ et non pas un 18-350. Donc, avec, mais par contre, elle conserve absolument les mêmes fonctions secondaires d'éclairage que celle-ci. Donc, ce sera à vous de voir. Alors sachez que les tarifs sont quand même relativement réduits chez Wurkos, puisque je vous laisserai comme à l'accoutumée le lien, que ce soit sur le site Amazon de manière à pouvoir l'obtenir plus facilement, ou sur le site Wurkos directement. Mais sachez que c'est quand même assez facile de les obtenir, contrairement à d'autres lampes qui utilisent le micro-logiciel, comme Imalamp par exemple, qui utilisent ce logiciel-là, mais qui sont plus compliqués à obtenir. Donc actuellement, ce qui est le plus facile sur le marché, dans le domaine de ces lampes-là, avec le micro-logiciel Enduril 2, pour pouvoir les acquérir, c'est Wurkos qui le propose, avec d'autres lampes. Alors c'est pas la seule, hein. Il y a également ce modèle-là, donc on en parlera peut-être par la suite, je ferai peut-être une revue pour ceux que ça intéressera éventuellement. Et là, c'est un peu le même principe, même si on est sur une définition, une lampe qui est différente, mais on en parlera. Il y a également d'autres lampes, comme ce modèle-là, qui est donc la 13FC13S, pour S pour simplifier, mais il existe la FC13 classique, qui possède exactement le même micro-logiciel embarqué, donc Enduril 2, et qui permet d'avoir accès à différents types d'éclairage de la même manière que celle-ci. Donc ce sera à vous d'explorer un petit peu ça si ça vous intéresse. J'ai pas de remarques particulières négatives sur cette lampe là. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, puisque c'est quand même une lampe qui se destine à être du matériel d'emport de type EDC, c'est qu'il n'y a pas de clip. Ceci étant, on peut le comprendre facilement, puisque autant ici le clip permet justement de la mettre en poche, puisque la tête est dans le même, on va dire, dans la même ligne que le clip, alors que si ici on avait mis un clip épingle, même un peu plus court, ça aurait été compliqué pour pouvoir mettre la lampe. Par contre, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de petite sacoche, il n'y a pas de petit étui d'emport. Alors ça, c'est dommage. Donc c'est le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, hein, et d'ailleurs que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de petit étui pour pouvoir emmener la lampe. Bon, dommage, et on peut espérer que Wurkos corrige le problème. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, en ce qui me concerne, je possède cette lampe depuis quand même pas mal de temps maintenant, hein, et de tout ce que j'ai pu tester, dans le même caractère comme la Screwknight Mini Catapult pour ceux qui me suivent, ou d'autres modèles de lampes un peu similaires, c'est-à-dire à projeter le faisceau assez loin, avec un halo très concentré, franchement, c'est très très bien conçu, c'est très très bien fait. Bon, c'est pas une lampe pour tout le monde, je pense, hein. C'est un peu atypique. C'est une lampe un petit peu qui sort de l'ordinaire avec tous ces modes-là. Ça pourra peut-être en rebuter certains. Donc si vous avez plutôt envie d'une lampe qui envoie le faisceau assez loin, qui est assez concentré dans ce volume-là, peut-être que il faudrait vous orienter plutôt sur les modèles que j'ai précédemment présentés, enfin expliqués. Soit c'est chez Screwknight, Sofirn ou Manker, qui proposent des choses assez similaires, mais avec un mode d'éclairage unique. Si par contre vous avez envie d'explorer ce monde-là, un petit peu particulier, qui est réservé normalement à des passionnés de lampes, bah voilà, c'est une très très bonne affaire, parce que c'est quand même un tarif très réduit. On est sur 45 €. Si vous regardez sur la concurrence, non seulement c'est très compliqué pour les obtenir en France parce que ça vient de l'étranger, mais c'est en plus que c'est beaucoup plus cher. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce modèle vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut !